Le voici, le voilà, Honolulu. Nouvel étalon de la galaxie Genekin West, une association d'éleveurs bretons et donc de Bonne-Éloi, créée par Vincent Leroy et ses comparses. On pense au rat de Kerbiriou et ou encore à Gilles Desfontaines, hein, qui va stationner. Ah non, pas lui, c'était désinvolte tout à l'heure. Honolulu sera bien stationné à la ferme de Kervik. En Bretagne, donc, ça vaut le coup d'aller voir ce fils de Mongeu, très bon stayeur de sa génération. Et la mère est par Darshan et la mère Cerulean Sky. Elle a gagné le prix Saint-Alary. Donc déjà, Honolulu, c'est un croisement avant des performances. Et O'Hara, eh ben, il a prouvé qu'il savait produire des bons sauteurs, comme la plupart des fils de Mongeu, puisque c'est le père notamment d'Emeraude de Kerzak, vous avez vu, qui a gagné le grand steep du Lion d'Angers, l'Eastud, mais également l'Anjouloir Challenge, c'est quelque chose. C'est également le père d'Éclair du Maffray ou encore de Le Plougastellen. Le Plougastellen, on dit, c'est bien ça. Le Plougastellen, il ne faut pas se tromper, sinon les Bretons vous tomberont dessus. Honolulu, voilà un étalon confirmé qui a des jeunes générations à venir, quelques produits exportés en Angleterre de par leur modèle. Il a fait la monte dans le centre-est pendant quelques années, Honolulu, ça y sent correctement et plutôt des bonnes juments. Et donc le voilà revenu en Bretagne, sur ses terres. Et Vincent Leroy y croit beaucoup, évidemment, en ce fils de Mongeu, Honolulu, qui fera la monte à 1600 euros. Et alors, Vincent va nous expliquer, parce qu'il y a des petites évolutions de tarifs. Tout ça nous sera dit dans quelques instants pour Honolulu.